بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout grand pour l'un, celui qui peut permettre nous, aux jeunes sur la case, pour nous rappeler nous-mêmes certains aspects de ce message, nous proclame ce grand air, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'y a pas aucun monde excepté Allah, nous témoigner que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Allah ce serviteur, il y a Allah ce messager. Inch'Allah, pour aujourd'hui, c'est qui nous pour consacrer. Nous te rappelons à un aspect qui est central dans nourrir nous les cœurs, dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle Zikrullah. En gros, Zikrullah, c'est Mazinallah. Mazinallah. Dans sa façon plus simple, c'est qui est une phrase que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nos professeurs, nos modèles, il enseigne nous. Qui quand on prononce cette phrase là, en fait du mazinallah, deuxième nous gagne un bénéfice. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Tout cela c'est une forme zikr. En même temps, le Coran même, c'est un zikr. Tout dans le Coran, c'est qui, par exemple, je peux insister. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سين فهم ذكر بيجي من point بودي بدنا القرآن اتغفيسا من مازين الله إنه بتروف كي دن القرآن إنه بكو لانفاز لو ذكر الله for example دم الفيسي كي من يدنا introduction دا سورة 70 فيسي نمبر 10 أن لجي واذكر الله كثيرا مازين الله بكو لعلكم تفلحون afin qu'ils aient fait réussite. C'est cette forme ribadat qu'Allah met l'emphase fait-li beaucoup. Fait-li beaucoup. Zikrullah. Fait zikar beaucoup. Mazin Allah beaucoup afin qu'ils aient réussi. Nos réussites, nos succès, nos prospérités, les trouvent dans zikrullah. Dans la qualité de nos zikar et dans la quantité de nos zikar. Tout les deux importants. Dans notre verset, Allah fait nous comprendre sur la Baqara verset 150. Fazkuruni azkurkum. Mazine-moi, fais-moi zikar. Mazine-moi, moi vous mazine zot. Mazine-moi, moi vous mazine zot. Et peine plus grand faveur qui quand Allah mazine nous. Pareil comme peine plus grand misère qui quand Allah oublie nous. C'est ce qu'Allah dit dans le surah Hachar. N'a pas fini comme ça, mais il y qui oublie Allah. Et Allah aussi oublie les autres. Quand Allah oublie nous, nous condamner pour venir dire une plus misérable sur la terre. Le contraire est également vrai. Quand Allah imagine nous, nous pouvons toujours dans le bien. C'est là qu'il nous donne vrai bonheur, vraie prospérité. Quand Allah imagine nous. Donc comment nous faire Allah imagine nous, c'est pas imagine lui. Toujours, donc après, un mot qui nous considère petit, qui considère nous capables. Atteindre l'objectif noble. Faire qui créateur les ciels et la terre, Mazin Iqbal, Iqbal tout seul, dans quand il offre d'un petit coin dans Mazin, il peut Mazin li, Allah en retour peut Mazin li. Donc ça, c'est moyen qui zikr
permettent nous atteindre. Et dans l'autre verset, sur 29, verset 45, elle fait nous comprendre. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah, c'est plus grand quelque chose qui existe. Akbar. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah, c'est akbar. Et quand nous disons Allahu akbar, Allah est le plus grand. Dans ce dimanche, on ne peut pas considérer Allah avec n'importe qui c'est là. Mais un demande, donc implication de Akbar, c'est qu'Allah lui endéo les temps. Les temps pas capable tous Allah. Allah avec les temps, il pas vieilli, il pas affaibli, il pas vin zone, il pas date expiration. Non, Allah c'est celui qui endéo les temps. Pareil comme ça même nos zikrullah lui endéo les temps. Tout ce qui nous trouvait autour de nous, tout pour fini. Tout fini. La toile avec les temps, divine zone, les déchirés, dix bois pourris, ferraille, prend les ruines, bâtiments crasés, man dynastie, man civilisation, man empire disparaît. Mais au subhanallah pour finir jamais. Il y a pas. C'est qu'une prononcée, tout ce que la langue produit comme zikrullah, les akbar, les en déo les temps, les pour rester. Ce qu'à la fin des temps, ce qu'à l'éternité. Il pas fini jamais ça. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, les endéos, les temps. Donc, nous comprenons par là qui Allah peut permettre nous pour atteindre à travers une action simple, assisée, prononçant une parole là, de faire nous rentrer dans ce qu'on appelle dans l'atemporel, dans ce qui est endéos, les temps. Concernant, ça va être la même, ou le zikrullahi Akbar, Darda, radiallahu anha, il dit qui, quand il peut faire commentaire de sa verset là, l'idée est que quand tu peux faire le mal, c'est zikrullah, tu peux imaginer Allah. Quand tu peux faire le bien, c'est zikrullah. Quand tu peux aider un djimoun, en d'autres mots, tu peux faire zikrullah. Quand tu peux éloigner avec le mal, nous peux faire zikrullah. Mais meilleur dans tout cela, c'est tasbihullah. C'est qui, en même temps, nous imaginons Allah. Et d'ailleurs, nous avons dit, dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je patiole mon informe zot concernant meilleur parmi mon action, meilleur, plus bon parmi mon action? Une action qui vous élève zot grade. Une action qui meilleur, qui dépense l'eau et l'argent dans ce milieu-là, meilleur qui djihad. Ça va les gars, Rasulallah, bien sûr. Quittez ça. Le prophète dit, fais zikrullah. Zikrullah, dans sa capacité, si nous bien faisons, avec ikhlas, avec sincérité, n'est capable d'être une action plus méritoire que nous ne faisons devant Allah. Ça, c'est le potentiel qu'il y a dans Zikrullah. En même temps, il y a une explication qui nous gagne, c'est que Zikrullah est bien présent dans tout le monde de l'ibadat. Un petit peu, il n'y a pas qu'à dire, je viens de masjid, je fais un namaz, mais ça, je ne pas de masjid Allah. Non. C'est qu'il est bien ensemble. C'est même qu'il y a l'âge de Coran. Aqimis salat al zikri, fais un namaz pour mazin moi. Donc zikrullah bizin présent dans nos namaz, bizin présent dans nos rosa, bizin présent dans nos sadaqa, bizin présent dans nos hajj. C'est là qu'il est parfait, il est plus en zikrullah dans mon namaz, plus dans mon namaz, mon mazin Allah, mon namaz 7 minutes, mon mazin Allah nous dit 10 secondes. Alhamdulillah. Un autre frère il fait un namaz 7 minutes mais il mazin Allah 25 secondes. Son namaz plus bon que moi. Oh. Quantité zikrullah qui existe. Donc, pareil comme ça dans nous, également dans nos rosas, dans nos hajj, dans tout le monde ibadat, ça qui est bizarre est un zikrullah. Et un grand savant comme Ibn al-Qayyim, il dit que toute action qui vous fait, plus ou moins Allah, plus action la vie de meilleur. Meilleur parmi les gens qui gardent rosa, c'est ça qui fait une masine plus Allah pendant ce rosa. Meilleur parmi les gens qui font sadaqa, qui donne zakat, qui dépense dans ce monde-là, c'est ça les gens qui, pendant qu'ils peuvent faire ce sadaqa, ils peuvent imaginer Allah. Pareillement, meilleur parmi les gens qui font hajj, c'est celui qui imagine plus beaucoup Allah dans ce hajj. C'est pour ça que quand Allah t'a appelé, mettez-nous en garde côte. Une qualité namaz, de faire attention. Namaz de ban hypocrite. Namaz de ban hypocrite. Qui s'appelle là ça? Quand je te lève pour namaz, oh mon coussin là, je te lève avec paresse. Il y aura un namaz. Je fais namaz pour les yeux du monde. Et je ne peux pas imaginer que c'est un cheat. Peine appréciée, l'essence, peine, profondeur, peine.
une fête paresse. Vous faites les djimoun. Et peine avec Allah. Donc le fond de notre action, c'est surtout sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un sahaba vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, Rasulallah, ben la loi concernant l'islam, ben la loi dans l'islam dit beaucoup. Montrez-moi une quelque chose qui m'est capable de pratiquer. Montrez-moi une quelque chose qui m'est capable de pratiquer. Le prophète Jali, garde la langue toujours trempée dans Zikrullah. Garde la langue toujours trempée dans Zikrullah. N'importe quoi tu étais, tu dois bistop, tu dois la cuisine, tu dois te travail, tu prends encore un sommeil. Garde la langue trempée dans Zikrullah. Fais ça vite, deuxième nature. C'est que même quand tu oublies toi-même de toute la langue, tu vas dire une branche le Zikrullah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Garde la langue toujours trempée dans Zikrullah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, la différence qu'il y a entre un djimoun qui fait zikr avec un djimoun qui pas fait zikr, il paraît comme la différence entre un djimoun vivant et un djimoun mort. Une différence qu'il y a entre un djimoun qui fait zikrullah avec un djimoun qui pas fait zikrullah, il paraît comme la différence entre un djimoun vivant et un djimoun mort. Donc autant zikrullah l'important pour God nous liquer vivant, divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous trouvons que nous tous qui ici, nous avons besoin de joindre, nous trouvons une écrire par Allah, comment Allah recevoir notre zikrullah? C'est une action simple, mais c'est moi qui rapporte d'une façon démesurée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, un kiken, qui connaît Faraz in terminé, assis en place. Il dit 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Ça dit mon là, Allah t'a pardonné pour tout ce ban PC, même si ce PC est comme ban vague, ban lekim qui l'a la mer. Même si ce ban PC est comme ban lekim l'a la mer, Allah pardonne tout. Et dans ma phrase, qui par exemple, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واللي يدي وغير كبالان انتي قرآن انتي قرآن ولو بيستوب واللي يدي تروا كوت سي كوم سي سيري اون لي قرآن نيت انتي دونك سي تي ريكومبانس كيو غاني كوم سا ميم سبحان الله الحمد لله وفاجي الحمد لله كوجي الحمد لله لي رامبيو بالانس لي رامبيو بالانس Que dire subhanallah walhamdulillah tous les deux les remplit l'espace qu'il y a entre les ciels et la terre. Ça les échappe à nos compréhensions. Ma petite parole. Mais c'est maintenant un hadith qui explique sa profondeur avec Allah. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ben des gens qui rentrent dans le jannat, c'est ben des gens qui effectivement je pense tout ben plaisir qu'il y a, ben merveille. Je ne pas prendre aucun regret, excepté pour un moment qu'ils ont traversé la terre sans zikrullah. Quand là, ça veut dire qu'il y a ce compte, qu'il y a peut-être qui quand Allah peut récompenser pour un subhanallah, pour un alhamdulillah, pour un Allahu Akbar. Il y a ce compte, il y a Allah, si tu connais sa quantité de récompense, là, gagné, ben, moi, je vous prends 5 livres, local livres, juste moi, si je me fais tout zikr. Si tu as Allah récompense avec générosité, une générosité, nous sommes capables de dire d'une façon démesurée, pour nos zikr qui nous fait. Donc c'est pour que moi-même, avant tout, nous prenions conscience que nous avons une facilité, alhamdoulilah, nous bisons, profite de l'occasion, fait maximum zikrullah. Il y a un grand savant qui est Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il y a un livre, Al-Wabil al-Sayyib, qui est là, il est consacré, ça livre là, zikrullah. Il cite environ 79 vers. 79 bienfaits qui est dans faire zikrullah, dans vivre, dans laisser nous la langue trempée dans zikrullah. Nous ne pas dans tous les 79, des trois qui nous donnait avant de terminer. Il dit zikrullah, il repousse shaitan. Il repousse shaitan. Shaitan, comment déconnecter avec Allah, il attaque. Et dans ce moment, attribut de ce moment, qualité qui est là, il al-khannas. Comment oublier Allah?
Satan vient attaquer votre man waswasa, man vient insuffler dans nous, man mauvais esprit, man pensée malpropre, man pensée noire. Satan vient. Pour répondre à Satan, c'est zikrullah. Zom contre Satan, c'est zikrullah. Nous bouclier contre Satan, c'est zikrullah. Nous bouclier contre la pensée négative, contre la pensée noire, c'est reste dans zikrullah. Deuxième, zikrullah, il y a un plaisir à Allah. Zikrullah, fait nous un plaisir à Allah. Donc, il fait nous rentre plus de faire chaque zikr qu'il nous fait, il élève nos degrés, il élève nos grades, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, c'est remède qui nous est contre le stress. Beaucoup de monde aujourd'hui, dans nos sociétés, beaucoup de monde a problème, beaucoup de monde a stress, il y a problème, la tête fatiguée. Zikrullah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Si vous la recherche tranquillité, vous la recherche un repos interne, c'est zikrullah. Zikrullah, c'est remède qui a l'un de nous contre stress, contre tout man, nous pouvons dire une maladie interne. Vivre dans zikrullah, nous pouvons la paix, nous pouvons tranquillité, nous pouvons sa satisfaction interne. Zikrullah, les renforce les corps, les renforce les cœurs et les renforce les cerveaux. Zikrullah, les renforce les corps, les renforce les cœurs et les renforce les cerveaux. Zikrullah, les illumine au visage. Un jimoun qui reste dans zikr, ce jimoun-là, Allah donne-lui un nour de l'eau au visage. Mais ce n'est pas question qu'il va dire, mon assis, écoute, mon yakul wallah wahad, ma tante qui est au dehors, puis un nour de l'eau au visage. Non, c'est comme on fait avec régularité, avec constance, avec une longue période, mon consacré, mon fait que zikrullah vienne partie dans mon vie. C'est là qu'il y a un cadeau qui m'a gagné. Allah donne-moi ce cadeau-là, c'est qu'il y a une lumière, l'eau, mon visage. Zikrullah, c'est façon, c'est un moyen pour nous gagner nos zikr. Quand nous m'asinons Allah, Allah m'asinons nous. Donc, quand on m'asinons qui gagne, on m'asinons, oh, un tel, ouais, tu connais, maintenant, moi, tu fais une intention, moi, pour donner, c'est pas un bois tambour. Et moi, tu fais, moi, tu m'asinons qui m'a besoin de rendre une visite. Pareil, quand Allah m'asine où, il m'asine tout quelque chose qui nous demande. On demande la santé, on demande le succès, on demande un bon place de travail, on demande une belle case, on demande un loto. Quand effectivement, il faut dire qu'Allah m'asine où, il est là où il est. Donc, une des façons pour nous devoir accepter, pour nous gagner nos risques, c'est faire beaucoup de zikrullah. Zikrullah, il amène l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah, il produit dans les cœurs l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, il amène al-qurb. Zikrullah permet nous approcher avec Allah. Vous trouvez que n'importe qui c'est là, n'importe qui, tout man, l'exemple qui nous a gagné, qu'il soit un prophète, qu'il soit un wali Allah, tout ce qui est présent dans la vie, c'est Zikrullah en abondance. C'est Rasoul qui nous suit comme modèle, c'est quelqu'un qui assoit, il adore Allah jusqu'à ce qu'il puisse enfler. Donc Zikrullah, c'est cimer un moyen incontournable pour gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Et zikrullah li relève ban lekia kin mort. Zikrullah li relève ban lekia kin mort. C'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit à nous lekia li plus besoin zikrullah qui poisson besoin de l'eau. Nous lekia li plus besoin zikrullah qui ban poisson besoin de l'eau. Un poisson pas capable vivre sans de l'eau. Pareil comme ça nous lekia pas pour capable survivre sans zikrullah. Sans zikrullah, nous les kèb mourons définitivement. Et zikrullah, les nettoie, les protège les kèb contre la rouille. Quand on fait pécer, sur les kèb, prend la rouille. Plus on a pécé, plus les kèb la rouillé. Pour tirer sur la rouille là, c'est zikrullah. Par exemple, je vous dis dans la société, où il y a toutes les solutions pour tirer la rouille, l'eau ferraille, tirer salter l'eau mob, faire au mob briller, pour faire au. M'a briller comme ça même, ça qui nous a comme solution pour nous laisser briller, c'est zikrullah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, comme ça même. Zikrullah, c'est que quand nous mazine Allah dans le bien, Allah pour mazine nous quand nous sommes en difficulté.
Masjid Allah, quand nous donne bien, quand nous pose bien, plein, quand nous donne l'abondance, la prospérité, Masjid Allah, dans un moment comme ça, quand nous donne difficulté, quand nous donne problème, Allah pour Masjid nous. Masjid Allah dans le bien, Allah pour Masjid nous, quand nous donne détresse. Et je dis que Allah, c'est un des plus grands formes pour remercier Allah. Shukr, qui vient de se consacrer. Shukr, c'est que nous besoin en permanence pour remercier Allah. Un des bonnes formes, nous capables de dire, un des bonnes premières façons, un des plus grandes façons pour remercier Allah, pour exprimer nos gratitudes, nos reconnaissances envers Allah, c'est vivre dans zikrullah. Zikrullah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ça, c'est zikrullah. Ça, c'est donc une façon, dans zikrullah. En théorie, nous capables de continuer. Mais c'est mal et pas pour servir dans rien si dans la pratique, nous ne prenons pas nous-mêmes, commence par moi, sa décision. Nous tous qui ici, alhamdoulilah, nous faisons zikrullah. Mais c'est plus important, c'est déjà augmenter la dose. Là. Nous le faisons d'une façon plus, nous dire, plus systématique. Right? Ya Rabbi, permette-moi et dois Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh mon Rabbi, aide-moi pour me faire tout zikr. Voilà, aide-moi pour me faire tout zikr. Fais-moi rester plus dans zikrullah. Fais-moi consacrer plus les temps dans zikrullah. Si je suis habitué dans 24 temps, je m'imagine toi pendant un temps, ya Rab, fais-le vivre un et demi. Fais-le vivre 17 ans. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika pour me remercier toi wa husni ibadatik et pour adorer toi de meilleure façon. Et comme une anecdote, ban sahaba autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous dans cette forme zikr qu'ils ont plus, comme si je dirais, plus appliqué. Un sahaba, vous pouvez avoir une expédition, un sahaba fait namaz, donc tout ce namaz, il y a surah Fatiha, il y a une surah, après il y a qu'il y a Allah wahad. Tout le cas. Quand il vient, il vient un rapport, ça, prophète, il y a un tel, dans tout namaz, il y a surah Fatiha, il y a une surah, après il y a qu'il y a Allah wahad. Vous pouvez faire appel, il y a un moment donné, vous pouvez savoir qui faire. Je regarde la surah parce qu'il est content sa surah là. Je suis content qu'il soit Allah wahad, Allah samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwan ahad. Je suis content de lire, je suis content d'écouter, je suis content de réciter. Le prophète dit Hubbuka iyaha adkhalaka al jannah. De l'amour pour sa surah là, il ne fait pas rentrer dans le paradis. De l'amour pour sa surah là, il ne fait pas rentrer dans le paradis. Il est vraiment c'est extraordinaire sa surah, Allah wahad. Il n'y a pas de plus qui nous dit 5 secondes pour nous dire. Dernière anecdote, un sahaba mort, il ibn Muawiyah al-Layti. Fini faire son amas zanaza, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe un sahaba qui est présent. Il dit 70 000 anges descendent depuis le ciel, ils viennent faire un amas zanaza pour ça, ils viennent faire pour Muawiyah ibn Muawiyah al-Layti. 70 000 anges descendent depuis le ciel, ils viennent faire son amas zanaza. Imaginez-vous. Qui conseille c'est un monde qui donne grade. L'un des autres dans l'enterrement, on rentre avec un député dans l'endroit. Hey, tel Tivini, tel député, tel PPS, tel ministre. Vous sentiez, là c'est important. C'est dans la 70 000 ans, descendent depuis le ciel, viennent faire sur la mazanaza. Il y a un seul. Mais qui vient faire comme ça? Pour vous dire, parce que tu comptes, il y a Allah Allah Wahad. Quand il était, Allah Allah Wahad, Allah Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakullahu, Kufwan Ahad. Ça, c'est un cadeau qu'il y a de nous. Pas. Nous la portons dans à l'Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui rapportent gros. Nous disons qu'il y a tout ici. Allah permette-nous, il y a des gens qui viennent de l'acquérir, il y a des gens qui consacrent de plus en plus, plus des autres temps dans le zikr Allah, dans le mazin Allah, et qu'Allah fait nous vivre dans ce zikr, fait nous mourir dans ce zikr, avec nous la langue, sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.